Depuis des semaines, le vaccin BCG, destiné à prévenir la tuberculose chez les nourrissons, est en rupture de stock dans de nombreux hôpitaux du pays. La fin de cette situation reste inconnue. Dans un communiqué, André Mamafouda, ministre camerounais de la Santé, a indiqué hier que la somme d'1 milliard de francs communauté financière africaine a été débloquée pour l'approvisionnement en vaccins et prioritairement le vaccin BCG en rupture. Le ministre a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour un retour à la normale et un meilleur approvisionnement en vaccins dans les prochains jours.